Je m'appelle Lilian Goldstorm, je suis psychologue-psychanalyste à Strasbourg et j'étais enseignante-chercheure à l'Université de Strasbourg. Le livre que je viens d'écrire, Psychodrame analytique lacanien ou une ouverture aux enjeux sociaux et sociétaux, rappelle l'histoire du psychodrame morénien de Moreno au psychodramatiste analytique d'aujourd'hui et compare ses pratiques à celles très spécifiques d'une pratique strasbourgeoise. Le livre est conçu en cascade, c'est-à-dire que chaque paragraphe fait écho à un paragraphe précédent. Pour vous donner un exemple clinique tout de suite, pour vous montrer l'intérêt du psychodrame, je pense à une personne qui avait des difficultés à se positionner. Et nous lui avons proposé une scène de séduction où elle devait séduire une autre personne. Dans l'incapacité de le faire, c'est un co-thérapeute qui l'a relayé. Au moment où ce co-thérapeute la relaie, cette personne s'écrie « Non, c'est impossible ». Nous avons pu travailler avec elle. C'est quoi cet impossible? C'est quoi cette limite? Qu'est-ce qui s'est joué pour elle? Voilà l'intérêt du psychodrame, c'est de travailler certaines difficultés qui sont en nous à l'aide d'autres. Travail de groupe est extrêmement important, notamment pour toutes les personnes qui travaillent avec des groupes, pour les professionnels. Et donc de se frotter à un groupe, c'est aussi de permettre d'entendre comment on se situe par rapport à l'autre, et notamment par rapport à sa différence. À quoi on se confronte, quelles sont nos limites, et comment les dépasser ou voire les accepter. Dans des enjeux pulsionnels actuels, le psychodrame ouvre aussi à une question de dessin des pulsions sociaux, c'est-à-dire notamment par exemple la sublimation, la théâtralité est une sublimation et donc permet d'intéresser les personnes à d'autres aspects qu'à des décharges pulsionnelles. L'autre aspect intéressant du psychodrame dans un enjeu actuel difficile, c'est de réhumaniser, c'est-à-dire de retrouver qu'est-ce que c'est le lien à l'autre. Comment on se construit grâce à l'autre. Nous sommes des êtres grégaires, nous ne pouvons pas vivre sans l'autre et nous nous construisons avec l'autre et à partir de l'autre. Eh bien, le psychodrame permet de retrouver ces aspects-là et permet ainsi aussi d'accepter les différences et de voir comment ces différences ont un intérêt pour notre propre construction. Eh bien, bonne lecture.